Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Go. On va faire une petite vidéo de chasse et on va commencer par un 9-9. Ouais, je sais pas. Bon, j'ai pas beaucoup joué en fait entre ma dernière vidéo de chasse et cette vidéo-ci. En fait, c'est passé une semaine où j'ai absolument rien fait. J'ai pas du tout le temps de jouer, donc c'est plutôt sympa parce que j'aime pas trop avoir trop d'avance. Donc là, on repart sur des bonnes bases. Donc on commence par un petit 9-9, on en a besoin. Ok, on va prendre le Scorplane parce que ça reste quand même un Pokémon rare. Oh là là, bon, en plus, il est tout pourri. Et voilà, on a pris le Scorplane. Je me suis même pas encore renseigné pour savoir si après on avait besoin de bonbons pour ce Pokémon. Bon, voilà, on est parti pour une chasse. Je pense que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de vidéos de chasse parce que je suis en vacances, donc je vais bien en profiter. Allez, c'est parti. Allez, un œuf 2 km sur mon compte. On n'attend pas grand-chose parce que c'est un nouvel œuf. Hein. C'est pas un œuf de l'event de Pâques. J'en ai plus sur mon compte. Et on prend un Limagma. Ok. Tant pis, tant pis. Tiens, on pourra faire évoluer. On a un œuf 2 km sur le compte de dégâts, donc c'est peut-être un œuf de l'événement de Pâques. Hein. Il en restait beaucoup. Alors, Rhinocorne. Rhinocorne, bon, tant pis. On est tombé sur un Culbutoke. Donc ça sera un Culbutoke femelle. Ah, oula. J'ai pas été bien loin là. Oh, je sais pas si ça va être pris. Ah si. Moi, ouais, j'ai complètement raté le tir, hein, comme quoi des fois. Et ouais, je commence ma petite journée. Et on va se prendre un Marill. 208, donc 208 c'est ouais, c'est pas mal pour les marées. Et voilà, le marine a attrapé. Bon, le reste, je vais le prendre en off. Allez, on en a fait 5 km, mais c'est sur le compte de Dengar 22. Oh là 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 là. Tentacool, c'est dans 5 km. C'est quoi? Bon, il n'y en avait qu'un. Allez, on a trouvé un Ammonitar. Je sais que beaucoup ont galéré pour avoir l'Ammonitar. Oh là là, complètement raté. J'ai raté le cercle. Je vous rappelle, hein, c'est plus vous. Vous touchez le cercle de couleur et plus vous avez de chances d'attraper le Pokémon. Et en plus vous gagnez des points alors que là bah, on gagne pas de points. Alors, je vais essayer d'attraper la Magikarp. Non, bah, j'y arrive pas. Ça sera pour une autre vidéo. Vous me voyez venir. Allez la Magikarp parce que c'est une shiny. Et non, toujours pas. Toujours pas de shiny. C'est vraiment galère ce shiny. Hein. Je me demande si c'est en fonction des coins ou je ne sais pas. Parce que depuis le temps, j'ai vraiment attrapé beaucoup de Magikarp. Hein. Et pourtant, je n'ai toujours pas le shiny. Bon, c'est pas très grave. Ça sera peut-être pour la prochaine. Sur le compte de Dengar, donc c'est peut-être encore un œuf de l'event de Pâques. Je sais pas trop où j'en suis sur ce compte-là. Il y en avait encore beaucoup et je l'ai fait que un par un, donc bon, c'est pas si rien. Ok, allez, œuf de 2 km sur mon compte. Et c'est un mélo. Ah non, c'est un tout doudou. Qu'est-ce que je raconte? Un tout doudou. Je les confonds les deux à chaque fois. Je vais aller trop vite. Et c'est tout.
Bon, on s'est arrêté ici, on a quelques petites choses intéressantes. On va commencer par le nœud neuf. Ok. Le nœud neuf est pris. J'ai bien envie de prendre le natu. Oh. Et bah laisse ce natu là. Ok, bon. Allez, on va se prendre le tournegras. Ok. On va super. On a tout pris du premier coup. Bon, le reste, je vais pas le prendre en vidéo. Allez, œuf de 5 km sur le compte de Dengar 22. Axoloto. Il n'y en a qu'un. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire craquer un œuf chance. Parce qu'il a la possibilité de faire un petit drac au feu. On va se faire évoluer un petit drac au feu. C'est toujours sympa à voir. Et voilà le drac au feu. 2028. Ah ouais, il est beau. Oh, il est beau. Avec danse flamme et déflagration. Franchement, il est beau. 116 PV. C'est ça qui est un peu dommage. Ok, bah moi je vais continuer mes petites évolutions. Si j'ai quelque chose de sympa, je vous ferai partager. On a trouvé un balos. Alors, balos, c'est vraiment un truc que j'ai pas souvent, donc je vais lui mettre une B3 nard. En plus, j'en ai. Peut-être mettre la B avant de prendre la Pokéball. PC 45, donc c'est vraiment que pour les bonbons. Impeccable, on n'est pas loin de pouvoir faire un nouveau démolos. Allez, on a un œuf 2 km sur le compte de Dengar 22, donc c'est encore peut-être un œuf de l'event de Pâques. Hein. Je sais pas du tout où j'en suis sur son compte. On est dans mal. Ok. Allez, off, c'est de 5 km. Alors, je sais pas s'il y en a un ou deux. Il y en a peut-être deux. Axoloto. Ok. Ouais, il y en a bien deux. Et un Paras. Bon, on est gâtés, hein. On est content là. Hein. C'est génial. Bon, il n'y en a pas d'autres. Bon, on a trouvé un boostiflore. Bon bah il est pas terrible mais. Ouais non, je vais pas faire une opération bonbon là-dessus, parce que des empiflores j'en ai eu plus qu'il m'en faut. Voilà, il est pris assez simplement. Ok, on va se dépêcher, on va essayer de prendre le Kéminus.
qui nous intéresse déjà beaucoup plus. Donc là, je vais peut-être mettre une Frambi parce qu'un PC 423 sur un Keminus, il risque d'être un peu vénère. Oh bah, c'est pris du premier coup aussi. Bon, super pioche. Excellentissime. Donc on fait des points là-dessus. C'est cool. Il n'y a rien de particulièrement intéressant trop. Bon. On a trouvé un Migalos. On va voir ce qu'il donne. 1113, donc c'est de la grosse bestiole. Hein. Un petit super. Oh là là! Oh là là, il nous a échappé. On va prendre le petit osselet là. Bon, il avait de très mauvaises idées, hein, le Migalos. Parce que le Dengar l'a attrapé. Il n'était pas terrible. Donc pas trop de regrets. Allez, c'est parti pour l'ouverture d'un œuf de 10 km. Yes! On enchaîne! Oh oui! What what? 62 bonbons. On est à la moitié chemin. À la moitié du chemin. Oh, c'est génial. C'est génial. Donc on va aller voir ça. On va se faire une évolution. Non, pas du tout. Tac. On va se mettre en AZ. On va aller voir lequel est le meilleur des deux. Alors, what what? On a celui-là. Celui-là, je crois qu'il n'est pas... Voilà, il n'est pas terrible. On a celui-là qu'on vient de choper. Qui est une merveille. Donc, paf. Et on va l'évoluer pour avoir une inscription Pokédex. Alors, il faudrait que je retrouve ma petite feuille. Voilà, je l'ai. Pour vous dire donc que officiellement, il me manque quoi? Il me manque Zarbi et Crémeux. Ouais, et Crémeux, franchement, ça commence vraiment à me... Hein, vous m'avez compris, quoi. Et il me manque Farampe. Donc l'évolution de la future évolution de ce Pokémon. Dès qu'on aura suffisamment de bonbons. Donc il nous manque 60, on va dire 61 bonbons pour évoluer. Donc voilà, le petit énergie. Donc il me manque plus que 3 Pokémon. C'est cool. Génial. On a trouvé un Azumarill, entre autres. Oh, il est pas terrible. Il est pas terrible et il va quand même nous demander hyper brûle. Donc ça c'est dommage. Ouais. Il gâche un peu en bonbon quoi. C'est ça qui est dommage. Bon, il sera pris quand même. Très bien. 5 bonbons. Laser glace, je pense pas que je vais le garder. On est toujours sur le même spot. Il y a un Teddy Ursa qui est apparu. On va le prendre. En plus, il est assez balèze. On va le tester, voir si ça peut faire un futur Ursaring. J'ai dit que j'allais le tester. En plus, on a de quoi faire. Oh! Oh la belle poche! C'est pas mal ça, une petite merveille. Bah écoutez, je propose qu'on se l'évolue tout de suite.
Et voilà le Ursaring 2087 PC 131 PV, griffe d'acier ultra laser, donc c'est les grosses attaques habituelles. Hein. Bon bah écoutez, super. Super, super, belle bête. Moi bon, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!